Bien, ça y est, je m'excuse, on a quelques minutes de retard, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas la première fois que je le dis, mais ce sont les aléas du direct. Voilà, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez là maintenant avec nous, ou que vous nous suiviez en replay. Dans tous les cas, c'est une bonne idée parce que ce soir, on va parler d'un sujet qui peut carrément vous faire frôler le burn-out, c'est le plastique. On va parler plastique. Le plastique n'a plus rien de fantastique. Le plastique est devenu un fléau mondial, un fléau environnemental, un fléau sanitaire. Et on va s'interroger ce soir avec des spécialistes de la question qui vont nous apporter des éclairages extrêmement précis, extrêmement concrets, extrêmement documentés, mais aussi plein d'exemples et d'informations très pratiques, très concrètes, pour à la fois comprendre ce qui pose problème avec ce plastique, mais comment on pourrait imaginer vivre, sinon s'en débarrassant, en le tenant à aussi bonne distance que possible. Voilà, alors en quelques mots pour commencer, bon, moi je m'appelle Valère Coréard, je suis le directeur du média ID, l'info durable, je suis chroniqueur sur France Inter. J'écris des livres sur les sujets de transition écologique. Alors, en général, je commence ces échanges par une petite présentation des dernières publications qui m'entourent. Bon, la première, c'est celle-ci. Alors, vous la voyez peut-être à l'envers. Comment vivre presque sans plastique? Un guide de 68 pages rempli d'informations, de tips et de concret, quoi, pour tenir le plastique à bonne distance et pour comprendre aussi pourquoi c'est important, bien sûr, de vivre avec du plastique, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a plastique et plastique. Voilà, donc ça s'appelle Idées pratiques, et ça se retrouve sur linfodurable.fr. Et puis, un autre petit mot sur les livres, ça c'est mon tout dernier, 25 idées reçues sur l'écologie à déconstruire de toute urgence. 25 infox que j'ai démonté et on le retrouvera dans les bacs dans quelques jours. Voilà pour la biblio. Je vais vous parler des personnes qui seront là ce soir. Clémence Barbet, qui est en charge des affaires juridiques chez Zero Waste France. Alors l'ONG Zero Waste, on n'en parle plus, hein, je pense que tout le monde les connaît. Ils font un travail qui est absolument remarquable autour du zéro déchet. Et elle va venir nous expliquer ce qu'est le problème avec cette matière, quelle est la réglementation, quels sont les enjeux. Je recevrai aussi Aline Gubry, une militante conférencière qui a écrit plusieurs ouvrages fort identifiés et qui, au quotidien, est dans une démarche très zéro déchet, très sobre. Elle interviendra. Et puis, on va poursuivre cet échange en direct avec une intervenante. Je suis ravi d'accompagner, qui va représenter l'entreprise Culligan. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Culligan? Parce que Culligan a décidé de sponsoriser, de soutenir ce live, parce que ça demande des moyens, ce live. Il y a une équipe derrière, il y a du travail. Et en fait, figurez-vous que cette entreprise existe depuis 1936 et qu'elle a un vrai engagement, parce que sinon elle ne serait pas à nos côtés, sur la réduction du plastique au quotidien. Et je recevrai Julie Rosina Perrin, qui est la directrice marketing et com à la fin de cet échange, donc qui va durer 45-50 minutes. Voilà, vous savez à peu près tout sur le programme. Alors évidemment, cet échange, il ne marchera pas sans vous. L'idée, c'est que vous puissiez intervenir autant que vous le souhaitiez, sur tous les thèmes que vous souhaitez, interpeller les invités, interpellez-moi, posez des questions, émettez des remarques, des suggestions, et moi, je m'en ferai évidemment le relais. Je vous propose tout de suite, on va commencer par. Ben voilà, alors j'ai vu tous les gens qui doivent nous rejoindre, donc ça c'est super. Je vois Julie, c'est merveilleux. Je vois Aline. Il y a juste Clémence que je ne vois pas encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Aline déjà de nous rejoindre. Aline, tu peux nous rejoindre. Avec plaisir. Donc Aline Gubry. On te voit souvent dans les médias, hein, d'ailleurs. Sur le rôle des citoyens dans la transition environnementale. Et tu as écrit Zéro plastique, zéro toxique, ou encore le guide de l'alimentation durable, Écologie sans me ruiner et la récup facile. Dis donc, tu as écrit combien de livres, toi? Quatre. Quatre livres déjà? Mais dis donc, tu arrives à trouver du temps pour faire d'autres choses?
Ah, c'est compliqué, surtout maintenant que je suis maman, mais ça va. Mais oui, c'est vrai, tu étais intervenu lors d'un précédent live et tu nous avais parlé de ta démarche, justement, zéro déchet. Ça va, tu continues à tenir le coup, pas trop dur? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est sûr, hein, c'est des défis hein, quand on a un quotidien zéro déchet et qu'il y a un bébé qui vient tout bouleverser. Mais raison de plus, et on le rappellera tout à l'heure, pour rester dans une démarche réaliste et pas chercher à faire la guerre au moindre morceau de plastique, coûte que coûte, même quand c'est pas réaliste dans notre quotidien, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis content parce que je voulais que tu interviennes aux côtés de Clémence pour Zero Waste et ça y est, je viens de la trouver dans la liste des personnes présentes. Voilà, super, Clémence arrive. Donc, Clémence Barbet, tiens, je vois que tu es diplômée d'un Master 2 de droit de l'environnement, rien que ça. Et que tu interviens en appui aux affaires juridiques de Zero Waste France depuis un peu plus d'un an, c'est ça? C'est ça. Bon, eh bien, bienvenue. Vous avez bien géré parce qu'on était sur un autre canal et il a fallu qu'on fasse un petit changement technique. Mais voilà, on se retrouve là tous ensemble et ça, c'est super. Donc, comme je le disais, les personnes qui nous regardent, et je vois qu'il y a déjà du monde, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques. Je suis aidé parce que je ne suis pas tout seul. Il y a Ambre qui est juste à côté de moi et qui est en train de regarder tout ce qui se dit pour qu'on puisse en faire état et que ce soit le plus interactif possible. Peut-être pour commencer, Clémence, on représente Zero Waste France en, allez, 30 secondes. Est-ce que Pardon, tu nous excusez-moi. refais une présentation de Zero Waste France en 30 secondes? Oui, alors Zero Waste France, c'est une ONG qui intervient notamment dans le domaine de la prévention et de la réduction des déchets, mais plus largement sur les thématiques environnementales. Et donc voilà, je suis notamment en appui aux affaires juridiques et au plaidoyer depuis assez Bon. récemment. Et voilà, excusez-moi, en fait, il y a un Non, écho. mais ça va, enfin, on t'entend bien. Moi, ça a l'air de Non, bien mais se moi, passer. j'entends un écho en décalé, donc peut-être qu'il faudrait que je me Bon, reconnecte. écoute, si tu arrives à tenir le coup comme ça, c'est super. Comme ça, on garde le temps si tu y arrives. On tient le temps. Juste en quelques mots, peut-être, Clémence. Aujourd'hui, est-ce que la réglementation, elle pousse à la réduction du plastique au quotidien? Eh bien, je vous dirais que il y a eu des apports récents, notamment avec la loi économie circulaire et lutte contre le gaspillage de février 2020, qui a apporté des nouveautés concernant la réduction des emballages plastiques et notamment les emballages plastiques à usage unique, mais que les ambitions de cette loi ont été assez vidées de leur substance par les différents textes d'application de la loi. Donc très concrètement, je pense aux dispositions qui visaient à interdire l'emballage plastique des fruits et légumes. Donc c'était une mesure assez forte qui aurait permis d'éviter enfin qui devrait permettre un gisement assez conséquent de déchets, parce que sachant que 45% du plastique est utilisé pour emballer, est utilisé pour fabriquer des emballages et notamment des emballages en plastique à usage unique. Enfin, l'association Zero Waste France a été assez déçue par les textes d'application de cette loi, parce que de nombreux fruits et légumes sont en Bah, fait c'est ça. exemptés de cette interdiction d'emballage, et ce pour une période allant jusqu'en 2026 pour certains fruits et légumes. Donc on voit qu'il y a une volonté du législateur d'apporter des mesures qui pourraient réduire les déchets, notamment les déchets du quotidien, des emballages, etc. Mais que dans l'application, il y a encore des points bloquants et que l'application de cette loi ne sont pas encore à la hauteur des ambitions et des attentes des Parce que pour citoyens. résumer, enfin, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais enfin, pour résumer, il y a une liste d'exceptions qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la Oui, loi c'est dit ça. le plastique à usage unique pour les fruits et légumes, c'est terminé. Sauf pour ça, quand ils sont fragiles, quand ils Oui, c'est ceci, quand ils viennent de exact. loin, quand là. Et au final, Oui, ouais. vraiment, il y a une liste vraiment aberrante de fruits et légumes. Et au final, on s'est aperçu que c'est surtout les fruits et légumes qui sont déjà vendus en vrac qui sont concernés finalement par l'interdiction.
Et après, dans les exemptions, on retrouve de nombreux fruits et légumes tels que les framboises, enfin, c'est vrai, un grand nombre de tomates, etc. Donc, on était assez déçus Ouais, et bien sûr. mitigés face à cette liste assez Ouais, du conséquente. coup, est-ce que tu considères que la réglementation, disons, elle a un niveau contraignant sur l'industrie, les entreprises? Parce que c'est vrai que là, il y a Caroline, par exemple, qui nous fait qui nous met un commentaire et je trouve qu'elle a raison. Elle nous dit, bah oui, en fait, c'est à nous, c'est encore aux individus finalement et aux collectivités de trouver des solutions sur ces déchets parce que bah, clairement les entreprises, les industries en produisent, nous en proposent en permanence et donc c'est à nous de remonter la rivière en fait en quelque sorte. Est-ce que ça, tu le constates notamment d'un point de vue juridique? Et bien, quand même, il y a certaines dispositions qui intéressent directement les entreprises, mais c'est vrai que elles ne sont peut-être pas encore assez incitatives et coercitives, et les sanctions qui suivent derrière ne sont peut-être pas assez fortes pour permettre une réelle application et pour inciter réellement les entreprises à agir. Donc, pareil, comme je disais pour l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est encore une fois des mesures en demi-teinte avec derrière une ambition assez forte, mais une application assez mitigée. Donc c'est vrai qu'entreprise comme consommateur, on a un peu du mal à s'y retrouver. Et je comprends ce commentaire. Clémence, est-ce que tu peux nous faire assez rapidement un peu une photographie des enjeux du plastique aujourd'hui, finalement? Quel est le problème avec cette matière? Alors, faire une photographie et parler d'un seul problème avec le plastique, Alors, dans c'est la un peu photographie, tu peux compliqué. mettre plusieurs choses à l'intérieur. Je voulais dire par là, bon, j'ai toujours cette mauvaise Faudrait faire un habitude de vouloir photomontage stretcher un peu plutôt. les interventions pour les rythmer, mais dis-nous ce qu'il faut dire. Voilà, c'est quoi le problème avec le plastique, en Oui. fait? Alors, en fait, il y a plusieurs problèmes avec le plastique, puisque le plastique pose problème depuis sa production jusqu'à son élimination. En passant par sa dégradation, sa vie. Donc, comme je disais, ce n'est pas un seul problème, une seule photographie, mais vraiment un photomontage des différents impacts et problèmes que pose le plastique. Donc, pour être assez succincte, à sa production, le plastique utilise des énergies fossiles et utilise énormément de ressources, donc est polluant dès sa production. Ensuite, l'objet, le plastique en lui-même est dangereux pour la biodiversité et pour la santé humaine. Il est dangereux pour la biodiversité, donc je vous recite pas les exemples des animaux marins qui se retrouvent coincés dans des pièges de plastique ou qui ingèrent du plastique. Mais le plastique est aussi dangereux pour la santé humaine parce que il contient des additifs chimiques, des perturbateurs endocriniens qui vont ensuite dans le corps et qui posent problème pour la santé. Et durant sa vie, en fait, le plastique va se dégrader en petites particules qu'on appelle microplastiques, qui ensuite vont s'accumuler dans le corps et vont provoquer. Enfin, là, on en est encore au début des études scientifiques à ce sujet, mais il a été prouvé que le microplastique pouvait provoquer des diabètes, des cancers, des problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est assez inquiétant. Sachant que selon une étude canadienne, on ingère environ 5 grammes de microplastique par Une carte semaine, bancaire, hein, donc c'est ce qui ça? équivaut, c'est ça, exactement. C'est assez parlant. Et ensuite, le plastique pose problème lors de son élimination et de son traitement, puisque la mise en décharge des produits plastiques va libérer des produits toxiques dans l'atmosphère et va polluer les sols et notamment les nappes phréatiques. L'incinération aussi est très problématique puisque des particules chimiques vont être libérées dans l'atmosphère et beaucoup d'énergie également va être utilisée pour incinérer ces déchets. Et le recyclage aussi n'est pas anodin en matière de santé et en matière environnementale puisque du plastique va être ajouté au plastique qui est déjà recyclé. Beaucoup d'énergie, d'eau, etc. vont être utilisées pour recycler le plastique. Donc, en clair, le plastique pose problème vraiment tout au long de sa vie et de son utilisation. Alors, Si je peux ça, c'est juste un rebondir. point sur lequel je trouve que c'est important de s'arrêter une minute, c'est que, et vous avez raison, chez Zero Waste, vous dites toujours, recycler n'est pas la solution, recycler, c'est la dernière chose à faire.
avant la réduction et la réutilisation, n'est-ce pas? Je me trompe pas, C'est j'ai bien exactement retenu ça. votre C'est ça. plaidoyer. Bon, mais vous avez raison, vous avez raison. Cela dit, recycler, c'est quand même une chose à faire avant de jeter, on est d'accord. C'est quand même, Oui. donc il y a finalement réutiliser, comment dirais-je, réparer, réduire, tout ça, et puis à la fin, recycler. Parce que dans mon prochain livre, j'en parle, il y a une idée reçue selon laquelle tout ce qu'on recycle, ça y remet même endroit à la fin, et notamment le plastique. Et en fait, j'ai quand même fait un travail d'enquête, et c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a des vraies filières de recyclage. Et il ne faut pas se cacher derrière l'idée selon laquelle, de toute façon, ça finit tout au même endroit. Non, 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 il y a quand même des filières de recyclage. Et d'ailleurs, les études le montrent, on recycle assez mal en France. C'est-à-dire que le geste du tri n'est pas acquis. Ça paraît fou, hein, pour les gens qui sont en train de réduire. Mais vraiment, le fait de trier, ce n'est pas acquis. Le verre, c'est 60% en Île-de-France, hein, quand on est à autour de 80-90% en France. Donc, je ferme la parenthèse, mais je trouve que c'est important quand même de Donc rappeler oui, ça. si je peux préciser la position de Zero Waste France à ce sujet, c'est Zero Waste France n'est pas contre le recyclage parce qu'on a bien conscience que c'est important et qu'on ne on pourra pas s'en passer totalement puisque beaucoup, beaucoup de plastiques sont encore produits et sont encore nécessaires dans certains domaines. Mais par contre, ce qu'on dit effectivement, c'est qu'il faut se concentrer collectivement pour éviter les plastiques qui sont inutiles. Donc comme je disais tout à l'heure, presque la moitié des plastiques sont à usage unique, sont utilisés pour emballer des produits qui pourraient ne pas être emballés avec du plastique. Donc nous, vraiment, on dit que, enfin, très concrètement, selon la hiérarchie des modes de traitement, il faut d'abord privilégier la réduction en amont, ensuite le réemploi, la réutilisation, et ensuite envisager des alternatives pour les produits qui n'ont pas pu être évités ou réutilisés, réemployés, et donc notamment le recyclage. Et pour vous donner un chiffre, actuellement en France, c'est seulement 28% des déchets plastiques qui sont recyclés. Bah ouais. Pour de nombreuses raisons. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse partie du gisement qui n'est même pas C'est ça. recyclé. Donc, ça montre bien que le recyclage, le tout recyclage n'est pas la Oui, solution mais et. c'est vrai, mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans certaines situations, le recyclage, c'est le pied dans la porte, c'est déjà une première action qu'on peut mettre en œuvre relativement facilement, parce que pour Oui, le c'est coup, il y a sûr. quand même une filière qui est en place, il y a de la collecte, etc. Oui, c'est pour ça qu'on ne dit pas du Tu tout vois? qu'il faut Je suis arrêter le d'accord. recyclage. On est Je suis totalement tout à d'accord fait avec d'accord. ça. Alors, moi, j'ai une dernière question à te poser, puis après, on va écouter Aline. Vous distinguez, et ça, je trouve ça très intéressant chez Zero Waste, le plastique à usage unique des autres plastiques. Est-ce que tu peux me préciser cela? Oui, parce que le plastique à usage unique va être utilisé en fait une fois ou vraiment sur un très court laps de temps. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de matières qui vont être utilisées pour produire en fait un plastique qui va in fine être jeté, incinéré, mis en décharge ou au mieux recyclé. Et c'est pour ça qu'on concentre vraiment nos efforts sur ce plastique, parce que si déjà on pouvait réduire cette quantité de plastique qui représente presque la moitié de la totalité des objets en plastique, ben ce serait déjà une grande avancée et ça pourrait vraiment changer la donne. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment la différence et qu'on axe vraiment nos actions en priorité sur ces plastiques inutiles et qui pourraient être parfaitement être C'est inévitables. ça. Et d'ailleurs, là, je vois, il y a quelques commentaires, notamment Ninon, que j'embrasse parce que je sais qui est derrière ce profil. On se connaît depuis un certain temps. Qui me dit le choix d'acheter depuis plusieurs mois mes légumes et fruits au marché. Mon panier, c'est tout, hein, tout simplement. Ou Valérie, en ce moment, je trouve chez mon petit producteur local de nombreux légumes vraiment peu onéreux, sans aucun emballage et avec un goût incomparable. Manger bon et sans recours au plastique est tout à fait possible à prix très raisonnable. C'est vrai qu'après, ben, quand on s'appuie sur des solutions de consommation, où on ne nous suremballe pas tout, le combat est moins difficile. Ça, c'est pour le plastique à usage unique. Mais après, il y a tout un tas d'autres. Enfin, les emballages, ça pèse beaucoup quand même, hein, et c'est un levier d'action assez majeur. Clémence, si tu as encore un peu de Tout temps, à j'aimerais fait. bien que tu restes avec nous. D'ailleurs, si vous avez des questions, notamment juridiques, à poser à Clémence, n'hésitez pas, puisque on a la chance de l'avoir avec nous. Elle est précisément aux affaires juridiques de l'ONG Zero Waste. Aline, qu'est-ce que tu as fait du plastique, toi, dans ton quotidien? Est-ce que tu t'en sors? Alors, je l'ai réduit.
Mais comme tu disais tout à l'heure en introduction, il s'agit de le réduire et pas de le supprimer complètement de sa vie parce que ce serait vain, ce serait complètement impossible. Ça n'aurait pas trop d'intérêt environnemental non plus de s'attaquer au moindre morceau de plastique. Que Clémence l'a dit tout à l'heure, ce à quoi il faut s'attaquer en priorité selon moi, c'est les principales sources d'impact environnementaux. Quel que soit qu'on parle du plastique ou de l'alimentation ou de plein de choses, quand on va avoir une démarche plus écologique. Donc effectivement, moi je me suis attaquée principalement aux emballages, c'est à peu près un quart de nos ordures ménagères. Je me suis attaquée au principal, au plastique qui pollue le plus dans mon quotidien. Et donc oui, encore aujourd'hui, j'ai du plastique au quotidien. Il y a des choses que je ne peux pas acheter sans plastique. Et vous savez quoi? Et ben, c'est pas grave. Ah oui, voilà. Mais attends, j'allais te poser la question. J'allais te poser la question parce que moi, il y a un truc, j'ai vraiment envie de faire un sujet un jour là-dessus, c'est sur le risque de burn-out écologique, quoi. C'est-à-dire Ouais, que, c'est un vrai non, sujet. mais tu Non, vois, je mais pense qu'il y a des gens, et je le comprends, hein, moi, il y a eu un moment, c'est pareil, j'ai dit, alors, je ne suis pas militant, mon travail, moi, c'est de faire du contenu. Donc, mais forcément, il y a une porosité avec sa vie au bout d'un moment. Et si tu veux, à force, le plastique, il est juste partout. Et le risque, c'est de devenir dingue. Donc, voilà, tu disais, c'est pas grave, c'est une manière de ne pas devenir dingue. mais oui, complètement. Moi j'ai quatre règles d'or que je m'étais appliquées à moi quand j'ai fait ma transition environnementale il y a 8 ans dans mon quotidien et que je répète tout le temps. Premièrement, ne pas chercher à tout faire. L'objectif, c'est pas de faire la moindre astuce écologique ou la moindre recette écologique qu'on trouve sur Internet, dans des livres ou là, dont on va parler là. C'est plutôt, et c'est ma deuxième règle d'or, de faire des actions, des astuces qui vous plaisent, celles qui vous attirent le plus, dans lesquelles vous prenez vraiment du plaisir et surtout qui conviennent à votre contexte à vous. Parce que selon qu'on habite en milieu urbain ou rural, selon qu'on ait des enfants ou non, selon qu'on travaille à temps plein ou non, etc., tout ne sera pas possible. Il n'y a pas un quotidien universel qui existe, il n'y a pas des solutions universelles qui existent. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de choisir des choses qui nous conviennent à nous. Et ça, c'est ma troisième règle d'or, c'est toujours aller au plus simple pour rester réaliste. Ça sert à rien de faire des recettes super compliquées de produits ménagers, de cosmétiques, etc. On peut trouver des recettes ultra simples avec un ou deux ingrédients qui sont tout aussi efficaces et surtout qui sont beaucoup plus réalistes, quoi. On ne va pas jouer au petit chimiste tous les dimanches Non pour mais réduire ses déchets. c'est vrai. Et ma quatrième règle d'or, c'est pas de pression. L'objectif, c'est pas d'avoir un quotidien parfait d'un point de vue écologique, ce serait pas possible de toute façon. C'est pas de changer son quotidien du tout au tout, du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu minimum un an pour faire ma transition de réduction des déchets, réduction du plastique, etc. Et voilà, donc vraiment pas de pression. Faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez et à votre rythme. Ça, c'est vraiment super important parce que l'objectif, c'est pas de le faire à fond et au bout d'un an, parce que c'est trop de frustration, parce que c'est trop de sacrifices, de tout lâcher et de revenir en arrière complètement. Ça, ce serait malheureusement pas très efficace d'un point de vue environnemental. Clémence, juste, je repasse à toi 2 minutes. Tu confirmes effectivement, c'est-à-dire cet aspect attention, quoi, faut pas mettre la barre trop haute, ça peut être démobilisateur. C'est vrai que chez Zero Waste France, on a plus envie de mettre l'accent sur les entreprises et de ne Eh ouais. pas justement culpabiliser le consommateur. Donc je rejoins le fait qu'il ne faut pas se mettre la pression et que nous, on est totalement d'accord avec le fait qu'il faut pas rejeter la faute sur les consommateurs et que ce n'est pas les consommateurs qui polluent le plus en Mais bon, fait. pour autant, c'est vrai que voilà, des gens ont envie de se bouger, ont pas envie de rester les bras croisés. Et c'est ce que tu nous expliques, Aline. Alors, comment t'as fait, toi, justement, Aline, pour par quoi tu as commencé finalement pour mettre le plastique à bonne distance? Alors, ben, j'ai commencé, en fait, mon premier conseil,
quand on veut commencer, c'est tout simplement d'ouvrir sa poubelle. Ça paraît tout bête, mais en fait, on consomme pas tous de la même façon. Et donc, on n'a pas tous les mêmes choses dans notre poubelle et donc pas tous les mêmes impacts environnementaux. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est tout simplement ouvrir sa poubelle et voir ce qui est le plus présent dans votre poubelle. Alors, généralement, on ne va pas se le cacher, on le disait tout à l'heure, on va principalement trouver des emballages alimentaires en priorité. Dans ce cas-là, il y a plein de solutions. Évidemment, le vrac, mais tout le monde n'a pas accès au vrac et pas pour tous les ingrédients, loin de là. Donc, le vrac, c'est l'idéal, mais sinon, on peut choisir des grands formats, par exemple, plutôt que des formats individuels, mais pour tout, hein, pour des yaourts, pour tout. Ça réduit la proportion d'emballage par rapport à l'aliment. On peut choisir des emballages avec moins de plastique, donc des boîtes carton plutôt que des sachets plastiques. C'est pas l'idéal non plus, hein, mais le produit aux impacts avec aucun impact environnemental n'existe pas. Il y aura de Mais où toute est-ce que façon. tu fais tes courses, toi, par exemple, pour Alors, manger, pour ta famille? principalement en boutique biologique, parce que aussi il y a plein d'autres choses, c'est pas juste les emballages qui sont certes beaucoup moins nombreux hein, dans ce genre de boutique, c'est aussi des produits qui sont beaucoup plus locaux, qui sont beaucoup plus de saison, qui sont certifiés biologiques, donc issus d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de la santé des travailleurs, etc. Donc c'est aussi une démarche globale, hein, et ça je tiens à le dire, c'est que les déchets, le plastique, etc., ça a des gros impacts environnementaux, c'est sûr. Mais il ne s'agirait pas, par exemple, de consommer des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont été cultivés avec énormément de pesticides, mais qui sont sans plastique. Oui, bien Entre sûr, bien sûr. cette option-là et le même fruit qui a été cultivé localement et qui certes peut-être a un petit emballage, eh ben, le mieux d'un point de vue environnemental, paradoxalement, ce sera celui avec l'emballage. Aline, imaginons, tu vois, je trouve que c'est un cas de figure qui est vraiment intéressant. Tu rencontres une personne que tu connais bien et qui te dit, bah alors moi, je ne fais pas du tout attention à ça, je fais mes courses au supermarché, c'est pas sa faute, hein, lui, enfin, on a le droit de faire. Mais oui, Enfin, voilà, on fait nos enfin, courses je quand dis, même la pour majorité se des nourrir Français et n'ont pour. pas les grandes Mais bon, distributions. disons que cette personne, elle est dans des circuits classiques. Et donc, elle ne fait pas attention à cette place du plastique. Donc, elle a une discussion avec toi, toi, tu la convaincs en disant, écoute, vraiment, voilà, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement, on est dans une impasse, il y a une crise, nos enfants, tout ça. Et là, elle te dit, ok, super, mais moi, je commence par quoi? Alors, il y a plein de choses ultra faciles pour le coup. Par exemple, tu peux changer tes savons et tes gels douche par des savons solides. Ça, ultra simple, accessible à tout le monde. Si tu as des capsules à café, par exemple, tu peux soit changer de cafetière, mais si tu ne veux pas changer de cafetière, tu peux acheter des capsules réutilisables que tu remplis toi-même, qui sont en inox. Plus ça fait faire des économies. Si tu bois de l'eau pétillante, tu peux acheter, idéalement d'occasion, une machine à eau pétillante. Ça réduit énormément les déchets. C'est plus économique aussi selon une étude du FCQ que choisir. Autre chose qui va peut-être vous surprendre, les protections hygiéniques, la majorité sont en plastique, on n'y pense pas, hein. Donc là, il y a plusieurs solutions. Alors, l'idéal, c'est évidemment passer au réutilisable. J'ai fait un article dernièrement sur mon blog Consommons sainement, qui est super complet, qui résume toutes les alternatives On aux va mettre le protections lien, on va le hygiéniques. trouver. Merci. En lavable et pas lavable, parce que tout le monde n'est pas prêt à passer au réutilisable, ce que je comprends tout à fait. Et donc, si on ne veut pas passer au réutilisable, il vaut mieux choisir des protections hygiéniques qui sont dites biodégradables, parce que si elles sont biodégradables, ça veut dire qu'il n'y a pas de plastique pétro-sourcé dedans, donc issu du pétrole. Je ne vais pas dans les détails, hein, j'essaie d'aller vite. Et autre chose, je dirais, cette fois pour le côté santé, on l'a dit hein, tout à l'heure, le plastique contient très souvent des perturbateurs endocriniens. Il y a des plastiques cachés partout, dans notre cuisine notamment. Par exemple, est-ce que vous saviez que les poêles et casseroles anti-adhésives sont composées de plastique qui, quand ils sont chauffés à haute température, peuvent migrer dans nos aliments?
surtout s'ils sont gras, puisque beaucoup d'additifs utilisés dans le plastique sont liposolubles, donc solubles dans les corps gras, comme l'huile, hein, quand on fait griller quelque chose dans une poêle. Donc dans ces cas-là, choisir plutôt de l'inox ou de la fonte, qui normalement sont les matériaux les plus sains qu'on ait pour la santé. En fait, le plastique est caché vraiment un peu partout dans notre quotidien. Les poêles et casseroles, enfin, jamais on en voit et on se dit, tiens, ça c'est du plastique. Pareil, sur mon blog, j'ai fait une fiche pratique illustrée qui résume plein de plastiques cachés. Les capsules, je parlais tout à l'heure des capsules à café. Les capsules, les boîtes de conserve, les canettes, en fait, leur intérieur est couvert d'un vernis époxy, donc de plastique. Donc notre aliment, notre boisson est en contact direct avec un plastique. Je pourrais en parler donc pendant des heures, donc je vais me restreindre. Mais voilà, il y a des plastiques un peu cachés un peu partout dans notre quotidien. Et les réduire dans notre quotidien, c'est non seulement réduire ces emballages, ces impacts environnementaux, pardon, mais aussi en fait protéger sa propre santé. Moi, je m'y attendais pas pendant ma transition environnementale, je ne le faisais pas tellement pour ça, mais en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais la première à bénéficier de cette transition environnementale que j'avais faite, parce que je m'exposais de moins en moins dans mon quotidien à ces perturbateurs endocriniens qui sont dans le plastique, dans les produits cosmétiques conventionnels, les produits ménagers, etc. Et Clémence, il n'y a pas d'informations sur ça. Ils sont pas, on n'est pas, il n'y a pas d'informations du public, je veux dire, justement dans la réglementation. Les consommateurs sont mal informés, non, de ces enjeux sanitaires, notamment. Concernant les Ouais. dangers du plastique, c'est vrai que il faut un peu creuser, mais après il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'études qui sont disponibles directement sur Internet. Donc c'est vrai qu'il faut un peu creuser et chercher, mais là j'ai l'impression que l'information se développe de plus en plus. Et encore une fois, j'ai l'impression que les études à propos du plastique et de ses effets concrets sur la santé sont encore préliminaires. Même si déjà les premiers résultats sont assez inquiétants et alarmants. Mais voilà, j'encourage les personnes à s'informer directement sur Internet avec beaucoup d'études à disposition. Un mot justement puisqu'on est sur cette partie réglementation, bah là on est quand même un peu sur un débat qui devrait, qui est celui de la présidentielle, qui va forcément avoir des conséquences juridiques, in fine, sur la mise en œuvre d'un programme. On ne sait pas encore évidemment lequel. Est-ce que vous trouvez l'une et l'autre que, peut-être pas spécifiquement le plastique, mais les grands sujets de l'écologie du quotidien sont abordés, puisque cette campagne, on peut le dire maintenant, a quand même commencé depuis une bonne semaine. Aline? Honnêtement, non, Aline. non, clairement, par rapport aux enjeux qu'il y a aujourd'hui, tu te doutais hein, que j'allais te répondre non, non, on ne fait pas une place suffisamment grande, et surtout, l'écologie est souvent résumée à l'impact carbone, par exemple, mais en fait, l'écologie, c'est bien plus que ça. Ce sont les pollutions locales, ce sont les ressources naturelles, c'est plein de choses, en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Mais ça se ressent dans la politique, ça se ressent aussi dans le marketing de nos produits. Quand on voit un produit qui est dit compensé, dont l'impact carbone est compensé, on se dit, ah ben c'est bon, il n'a aucun impact environnemental. Ben non, en fait, il en a plein. Et par ailleurs, la compensation carbone, c'est beaucoup moins écologique et efficace que ce qu'on pense. Donc non, clairement, on ne prend pas assez ça en compte dans les médias, dans cette campagne. Et surtout, on ne parle pas assez de tout ce qu'on peut faire à notre échelle de consommateur et tous les impacts positifs qu'il peut y avoir. On parlait de la santé, mais aussi il y a le côté financier. Ça fait faire beaucoup d'économies pour de nombreuses actions au quotidien sur le plastique, sur les déchets, sur plein de choses. Julie, je vous fais un coucou, on vous entend, on vous voit. Bienvenue, Bonjour. bravo, ça a été l'épopée technique. Je termine ce petit échange, je voulais avoir le retour de Clémence et on va vous écouter. Clémence, donc, vous avez bon espoir justement pour une évolution de la législation dans le bon sens où honnêtement, il va falloir relever les manches et ça va quand même encore être dur parce que ça avance à petits pas cette histoire, non?
Bah oui, je suis plutôt la position de Annie sur ce sujet. Et c'est vrai que le climat, l'écologie sont un peu les grandes absentes de cette présidentielle pour le moment. En témoigne le faible écho médiatique et politique qu'a eu le rapport du GIEC, qui est pourtant assez alarmant et qui prouve vraiment qu'il y a un lien entre justice sociale et justice climatique. Donc, je suis pareil assez mitigée pour le moment sur la présence de tout cela dans la politique, mais j'espère qu'il y ait peut-être un soubresaut et que peut-être que ça va Bon, venir. allez, pour terminer sur une note Est-ce qu'ils vont vraiment? positive, Aline, qu'est-ce que tu nous conseilles comme lecture? Tu as écrit quatre livres déjà, vers lequel on se jette si on veut se débarrasser du plastique? Alors, j'en profite juste pour te dire que l'article sur les protections hygiéniques qui a été mis dans les commentaires, c'est pas le bon en fait, c'est pas celui dont je parlais tout à l'heure. Celui-là, c'est un vieux de mon blog. Ok. Celui dont je parlais, c'est l'avant-dernier sur mon On blog. l'a changé, je crois, depuis. Ah, ok, merci beaucoup, super, merci. Pour les livres, bah, Alors, celui que j'ai lequel? sur la thématique, c'est celui-là, donc Zéro plastique, zéro toxique. Ah ben voilà. C'est 101 actions qu'on peut faire au quotidien pour consommer moins de plastique, y compris les plastiques cachés dont on ne se doute pas dans la cuisine, dans la salle de bain, un peu partout, quoi. Bon, on va mettre un lien donc vers ton éditeur, on met, puis après chacun choisit sa plateforme, c'est bon? Ouais, tout On à fait fait. ça? Ok. Et puis le site aussi de Zero Waste France qui est bourré, bourré, bourré d'informations. Merci à toutes les deux, merci beaucoup Aline, merci beaucoup Clémence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi. On va terminer cet Merci. échange avec Julie. Je vous dis merci et à très bientôt. Salut, salut. Un grand merci. Au Merci. revoir. Julie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, Julie Rosina Perrin, vous êtes directrice marketing et communication de Culligan. Culligan a été créé en 1936. Moi, ça m'a surpris, je ne vous le cache pas. Mais qu'est-ce qui justifie que Culligan soit invité dans cet échange? C'est quoi le parcours de cette entreprise? En quoi vous changez le monde, vous? Alors nous, en fait, on dit chez Culligan que notre mission, c'est d'apporter le meilleur de l'eau. Donc souvent, la marque est associée effectivement à l'environnement de l'eau, tout en faisant notre part pour la planète. Et en fait, on aime bien se comparer aux colibris, c'est-à-dire qu'une de nos Carrément. vocations. Non, mais c'est-à-dire qu'on fait notre part. Le colibri, il fait sa part. On va pas changer le monde. Par contre, on va faire notre part en luttant essentiellement contre la bouteille d'eau en plastique. Donc, on élimine un certain nombre de bouteilles plastiques dans le monde. Si je dois vous donner un chiffre, c'est Allez-y. 15 milliards de bouteilles plastiques qui chaque année ne sont pas produites grâce à Culligan dans le monde entier. Et ça passe essentiellement par l'élimination de la bouteille d'eau en plastique et puis de bouteilles plastiques qui sont utilisées pour les produits d'hygiène et d'entretien. Comment vous faites alors pour, disons, éviter cette consommation de 15 milliards de bouteilles d'eau en plastique? C'est considérable. C'est quoi vos solutions? Alors, on a plusieurs gammes de produits. En fait, on a des produits pour le particulier et puis en entreprise. Je ne vais pas vous parler de l'entreprise parce que là, je pense qu'on Ouais, est ouais, plutôt ouais. des particuliers. En entreprise, c'est la fontaine à eau que tout le monde connaît. Et puis pour le particulier, on a deux produits. Celui qui me paraît le plus important parce que c'est celui qui a le plus d'impact écologique, c'est ce qu'on appelle un purificateur d'eau qui va remplacer la bouteille en plastique. Aline a évoqué tout à l'heure les solutions pour l'eau pétillante. Nous, Ouais. on arrive avant l'eau pétillante parce qu'en fait, on va purifier l'eau du robinet et remplacer la bouteille d'eau minérale que bon nombre de consommateurs achètent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a encore 40% des Français qui achètent de l'eau en bouteille. C'est énorme. Ouais, mais Et nous, on est des voilà. Et champions, je crois. ouais, cinquième pays le plus consommateur d'eau en bouteille. C'est hallucinant, alors que notre eau est potable, mais ça fait partie des habitudes de consommation de notre pays. Et nous, on s'adresse essentiellement à ces 40% de Français en leur disant, essayez d'acheter des bouteilles en plastique et équipez-vous d'un purificateur d'eau. Bon, tiens, justement, là, on va poser la question. Il y a Ghislaine qui dit, alors je pense qu'elle parle de votre solution en entreprise. Donc, vous évitez les bouteilles en plastique, mais dans des bidons en plastique avec des gobelets jetables. Point d'interrogation. Alors, je pense qu'elle doit faire référence. Il y a deux types de bonbonnes qui existent. Il y a les bonbonnes, il y a deux fontaines. Il y a les fontaines bonbonnes, effectivement, avec des grosses bonbonnes en plastique, et puis il y a les fontaines réseau.
Nous, chez Culligan, l'essentiel de notre parc, ce sont des fontaines réseau qu'on installe à l'arrivée d'eau. Et donc là, il n'y a pas de plastique. Mais il nous arrive, c'est peu de fois, mais il nous arrive d'installer des fontaines bonbonnes quand on ne peut pas faire autrement. Par exemple, vous êtes sur un chantier, eh bien, il vaut mieux avoir une grosse fontaine bonbonne pour tous les ouvriers que de dire à chaque ouvrier, t'apportes ta bouteille d'eau en plastique. Donc nous, on ne privilégie pas la fontaine bonbonne, mais quand il n'y a pas d'arrivée d'eau, c'est quand même mieux que les bouteilles plastiques. Sur votre purificateur, donc là on est plutôt sur les particuliers. Alors, on a entendu tout et n'importe quoi hein, sur la purification de l'eau. Là, le charbon, c'est super. Les billes en céramique, les micros, je ne sais pas quoi, les UV. Vous, le vôtre, il marche comment? Et est-ce qu'il marche vraiment? C'est quoi la technologie qu'il y a derrière? Alors nous, c'est en fait notre purificateur d'eau, il fonctionne, il y a deux morceaux, je vais essayer de vous montrer ça Ah ouais. de manière pédagogique. Donc on a d'abord une cartouche qui D'accord. est effectivement en charbon actif à base de noix de coco, donc tout ce qu'il y a de plus naturel. Ouais. Et cette cartouche, on va l'installer sous l'évier. Donc sous l'évier, on installe cette D'accord. cartouche. Une cartouche comme celle que je viens de vous montrer, elle est capable de délivrer 3600 litres d'eau filtrée. Donc j'ai ma cartouche sous mon évier. Et puis ensuite, sur mon plan de travail, sur l'évier, je vais poser ce bouton là que vous voyez à l'écran. Et quand j'appuie sur mon bouton, vous voyez, il y a des petites LED qui sont allumées. Et donc là, ça veut dire que mon eau, elle est filtrée. Donc l'intérêt de la solution, c'est que je vais décider d'avoir de l'eau filtrée quand j'en ai besoin. Par exemple, quand je lave ma vaisselle, ça ne sert absolument à rien Ah oui, d'avoir d'accord, de l'eau filtrée. Par contre, quand je me sers un verre d'eau ou quand je nettoie mes légumes, surtout si c'est des légumes bio, là, ça vaut le coup d'avoir de l'eau filtrée. Donc, j'adapte mon robinet à l'usage qui est le mien au moment T. Et du coup, en expérience, parce que souvent, pour avoir travaillé un peu justement sur l'eau du robinet versus l'eau en bouteille, le gros argument, c'est le goût, quoi. C'est vrai qu'il y a parfois ce goût un peu chloré, un peu gênant, selon les régions. On n'a pas tous la même eau, on le sait, à la sortie du robinet. Est-ce que du coup, cette filtration, elle a un effet sur cet inconfort? Oui, alors on a fait tester notre système hein, par un laboratoire indépendant, Eurofins pour ne pas le nommer. Donc sur notre site internet, il y a toutes les preuves de ce que je suis en train de dire. La première vertu de ce filtre, c'est effectivement d'éliminer le chlore et on élimine 100% du chlore. Et le chlore, c'est ce qui donne ce mauvais goût, parfois même cette mauvaise odeur à l'eau qu'on boit. Donc à partir du moment où vous la filtrez, vous n'avez plus du tout ce goût de chlore. Et puis ensuite, il y a ensuite des vertus pour la santé, puisqu'on enlève les pesticides. Donc là, pareil, on l'a fait tester par le laboratoire indépendant. On enlève 99% des pesticides et on enlève aussi les résidus médicamenteux. Vos invités ont fait référence aux perturbateurs endocriniens. Ça fait aussi partie des choses qui sont éliminées par ce filtre. Enfin, combien ça coûte? Parce que, alors, bon, sur l'efficacité de ce que vous dites, ça a l'air effectivement correct, mais là, je renvoie aux études que vous avez publiées sur votre site, j'imagine, donc par un laboratoire indépendant, pour vraiment voir le avant-après. Si j'ai bien compris, ça s'installe sous l'évier. Bon, moi, en gros, à part planter deux clous, en général, c'est pas droit, je suis au maximum. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça coûte en fait? Parce que parfois, les gens renoncent aussi à ces systèmes pour des raisons de budgétaire, en fait, tout simplement, hein. Oui, et alors je vais répondre à votre question. Juste un chiffre en préambule, il faut savoir qu'en France, les personnes qui achètent de l'eau en bouteille, en moyenne, elles dépensent 17 euros par mois. Donc le point de départ, c'est ça. C'est de toute façon, tous les mois, je dépense 17 euros pour acheter de l'eau en bouteille. Nous, notre système, on le propose à la location, d'abord pour qu'il soit moins cher et puis aussi pour que le consommateur soit libre. C'est un système sans engagement. Donc, vous avez un technicien Culligan qui va venir chez vous installer la cartouche que je vous ai montrée. L'installation, elle dure moins d'une heure, mais on met un technicien à votre disposition pour le faire. Et ensuite, on va vous proposer un système de location. C'est 19,90 € par mois par rapport aux Ah 17 voilà. euros de l'eau en bouteille. On est franchement comparable. Et c'est un système de location qui est absolument sans engagement. Et ce n'est pas du marketing ce que je vous dis, parce que réellement, nos clients peuvent décider de le faire installer. Ils nous rappellent au bout de 2 mois en nous disant je ne suis pas convaincu. Et bien à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on viendra le récupérer. Maintenant, ce qu'on constate dans la vraie vie, c'est que quand on interroge nos clients en leur demandant comment ça se passe avec leurs produits, ils sont 96% à nous dire je ne pourrais plus m'en passer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ce système de location sans engagement, c'est parce qu'on sait que nous, on ne prend pas de risque dans la mesure où vraiment le produit plaît beaucoup, beaucoup à nos clients.
En termes de RSE et de cohérence, on en parlait un petit peu en début, là. Je trouve que c'est important parce que, enfin, moi, je suis toujours tout à fait passionné par le monde de l'entreprise. Je pense que c'est un acteur vraiment du changement, à condition évidemment qu'il y ait de véritables engagements et que ce soit réel dans les faits. Là, typiquement, vous êtes une entreprise française, vous localisez de la production, vous payez les gens en France. Enfin, je sais, qu'est-ce que vous pouvez me raconter un peu sur vous, de manière à ce qu'on vous cerne aussi un peu mieux en termes de RSE? Alors nous, on est une entreprise américaine. Hein. Notre fondateur, Emmett Culligan, qui a créé l'entreprise en 1936, ben, il était aux États-Unis. Depuis, on a beaucoup grandi puisqu'on est présent dans plus de 90 pays à travers le monde. Donc on a des usines aux États-Unis, en Chine, en Europe, en Pologne plus particulièrement. Donc on a un maillage territorial qui est mondial. Et on veille beaucoup, enfin, comme beaucoup d'entreprises, hein, on est très sensible au sujet de l'empreinte carbone. Et c'est pour ça qu'on a démarré une démarche qui est longue, hein, à calculer l'empreinte carbone d'une entreprise, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc aujourd'hui, c'est un gros sujet dans l'entreprise, le calcul de notre empreinte carbone. Notre objectif, c'est d'être capable d'arriver à la neutralité carbone. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce sera dans 2 ans, dans 5 ans, parce qu'on est en train de calculer cette empreinte. Et puis, une fois qu'on l'aura calculée, ben, on sera capable de dire voilà ce qu'il faut changer et voilà le délai nécessaire pour changer tout ça. Bon, on a été féroce dans les négociations, mais on ne pouvait pas vous faire venir sans que vous, en restant comme ça, parce que là, on va bientôt terminer cet échange. Pour celles ou ceux qui ont envie de tester là, votre purificateur, vous êtes venu, j'allais dire, avec un petit cadeau, en tout cas avec un petit bonus pour tester sans aucune obligation d'achat, ni d'engagement, ni rien du tout. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est qu'à la base, c'est la mécanique qui a été mise en place par Culligan, c'est de la location sans engagement. Mais on va même vous proposer aujourd'hui de bénéficier de 2 mois de location offerts. Donc on va mettre un code promotionnel que vous pouvez utiliser sur notre site internet qui vous permet les 2 premiers mois de tester le produit sans même que ça vous coûte les 19,90 € habituellement facturés. Ok. Et comme ça, vous faites vraiment votre idée et puis Et vous si ça va décidez. pas, vous venez l'enlever. Il y a rien à. Voilà, on est d'accord. Ça ne coûte absolument rien. Un technicien viendra récupérer la cartouche et le bouton click and drink que je vous ai Ok. montré tout à l'heure. Bon ben voilà, je vois que le lien a été mis. Merci beaucoup à Ambre qui m'aide. Ben, merci beaucoup. C'était intéressant. Merci Julie. Merci Merci, pour Valérie. ces échanges et cette présentation. Et à très bientôt. Un grand merci. Bonne soirée. Merci Julie. Merci à tous. Bonne soirée. Bon, ben, je vous remercie. Comme d'hab, vous avez été assez nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Entre 50 et 70 personnes en permanence. Donc, c'est top. La vidéo va être en replay, évidemment. Et puis, pour le reste, un petit rappel. Donc, idée pratique, comment vivre presque sans plastique à l'envers. Mais enfin, vous arrivez à peu près à lire ça. On le retrouve sur l'infodurable.fr. C'est dans la boutique pour accélérer votre transition sans plastique. Et puis, il y a le livre d'Aline Gubry aussi. On vous a mis le lien dans le fil. Et bien sûr, il arrive dans les bacs le 30 mars, mon prochain. Puis voilà, c'est toujours un petit événement perso. Merci d'avoir suivi cet échange. C'était top. Le prochain live concernera le tourisme. On va essayer de partir en vacances en mode écolo, mais on communique sur les réseaux bientôt. Salut, bonne soirée. Ciao.